Avant de cuire ça, Jerry, ce que je vais faire, c'est de mettre trempé. Je vais mettre trempé 3 étangs. Jerry, là, il est encore plus bon. Je vais mettre une intensive, soit une 30 minutes encore, si c'était un étang. Moi, je vais mettre 3 étangs. D'accord? Parce que nous, quoi. Bon, ce qui va vous servir, alors, c'est un mix vegetables. Ça, c'est tomate. Ça veut dire qu'on appelle ça plissa, on appelle ça sardine, on appelle ça un tas de monde par contre. À l'époque, ben, grand du monde, c'était des tomates même. Ça veut dire que c'est un poisson, et là, c'est des saumons. Il y a des saumons, hein, des sardines, des vendées dans Glenbrick. D'accord? Bon, pour appeler les tomates dans la vidéo, là, pas critiquement pour ça. Bon, pour servir des choses, des brinzelles, bon, pour frire mon brinzelle, bon, pour le frire ça joyeusement. D'accord? Avec ça, si moi, vous passez un petit peu dans le vieux, raisin avec badame. Ok? Nous pouvons faire notre riz cuit ensemble aujourd'hui, avec tout ça là ensemble. Ça, moi, je finis fricasser ça, hein. Ça, tomate, là, moi, je finis fricasser. Et un petit moment, je vous montre comment on pourra arranger dans le tempo. Allez, là, comment se frire de brin. Dans les celles-là, je vais vous frire trop beaucoup. Moi, je vais vous frire celles-là, je finis frire autant même, et je sens tout l'air de pied. Après, je vais frire de doyon. Je finis frire de doyon. Allez, là, doyon, là, tout ce qui est fini frire. C'est même si il est noir, on ne sait pas faire rien. Et vous faites du riz là. Après, pour y entrer de mix vegetables, pas trop beaucoup d'eau d'eau aussi, mais bien dire. Et là, mon mix vegetables, une presque. Je prends ton raisin et ton badam. Je vais essayer de faire un petit tampon. Je vais tomber un petit peu. Pas trop beaucoup. Comment raisin là, sans couler. Bon, à ce que nous faisons, nous pouvons arroser, nous pouvons mettre nos jiri. Avant, nous pouvons mettre un petit peu les légumes en bas. Là, nous mettons nos jiri là-haut. Là, nous continuons à mettre les légumes là-haut. D'accord? Et bien. Et bien, je prends un peu de brinzelle, je l'ai même, je vais mettre la même, parce que je suis en caméra même aujourd'hui. Je vais vous faire tout bon moi-même. Je prends un peu de ça, mix vegetables là, je prends un peu de joyaux, je vais mettre là-dedans. Donc, je vais mettre mix vegetables bien. Je vais mettre trop beaucoup, un petit peu en bas. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre des tomates, je vais mettre là-dedans. Et là, je vais finir de fricasser mes tomates, je vais vous rappeler. Mettre une cuillère là. Et là, ce que je vais faire, c'est de mettre un petit lardin là. Mettre un petit lardin. Mélange-y bien. Et là, mettre du riz là. Vous voyez, je mélange là. Ouais. Allez là, mon fils, mettre mon du riz. Moi, mettre de l'eau là. C'est un tas de riz là, bien dans quoi. Entièrement, de mettre de l'eau. Ce qu'il nous fait faire là, après les restes qui nous restaient, nous reposer le haut du riz là. Donc, les restes qui nous restaient, tout ça là, nous remettre le haut du riz là. Avec ce tomate, plie ça, sardine, c'est ce que je veux dire, avec ça. Mon fille arrose mon tomate partout. Mon mettre mon joyon là. Après, mon mettre mon mix végétal le haut du riz là. Mon fille mettre mon brinzel. Et là, mon mettre mon raisin avec mon badam. Bon, là, je vais mettre de l'eau, je vais mettre trop beaucoup de l'eau, mon box fixe. Je vais te mettre de l'eau et puis tout fini couvert. Ça veut dire que vous pouvez mettre ces jiri là, nous pouvons mettre de l'eau à cette lame. Ça veut dire que vous pouvez ça. Mettez bien, moi je vais mettre mon de l'eau. Entre mon jiri avec mon pouce, vous allez en épaisser autant. Assez là. Je ne vais pas mettre trop beaucoup. Si vous mettez autant, il y a 40 jiri là. Peut-être en épaisser autant. On se remet tous les autres jiri. Pas tous en bas, tous les autres surfaces. Vous pouvez en épaisser autant. Assez là. Assez là, mettez cuit dans le petit diffé pendant. Assez là, vous mettez un bon arrosé avec un petit pincette de sel. De guetter combien de sel de mettre d'autres, c'est pour fade, soit pour correct, on mettait une cuillère et demi comme ça. Et là, on mettait un petit peu de tamarin. Si vous mettez un tamarin à la case, c'est pas fait non. Tamarin cartouche, on mettait là. Allez là, on met d'autres tamarins. Je fais, il est doux, les tamarins. Doux, les pour ensemble, les pour mélanger avec Jerry là, et pour gagner bon goût. Sans penser pour bien vous manger. D'accord? Ça, c'était une recette que m'a appris à l'époque, vraiment d'enfants, quand on mange Jerry. Mais moi, appelle-lui, on m'a dit un Jerry frais tomate. Quel bon fait bien, vous faites les couilles dans ça, fait là, marie un petit fait comme ça, pendant de finir souffler sur quatre. Allez là, mon récit souffle, mon récit couille demi sur les tempos. Allez là, mon tempo, je finis souffler quatre coups. Ouvrez mon tempo, quel bon jury. Vous êtes capable de mélanger, mettre ça en bas. Vous pouvez mettre couler, vous pouvez mettre noyer. Le tomate bien cuit, tout ouvert. Et là, on dit bien, quel jury là, comment est-ce. Les autres cas servir, goûter, les autres faire m'enconner. C'est une recette bien simple. Allez là, il est bien préparé. Quand on mange avec un petit peu de calabasse, avec un sac de cocombe. Ne goûte plus. Vous la marrez bon. Tomate bien rentre dedans.
pas gain peste pas connu cuit tout mange monde qui pas connu cuit de caparente nous pas comme pas gain père les autres vino différent avec une affaire mon donne de l'idée man tise en français bien fondamentalement ça c'est l'idée de moi follow nous pas je pour connu encore nous man recette dans le futur.